Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour un nouvel update lecture. Ici on sera plutôt dans un update lecture de la loose parce que je lis mes reliques de la pale et c'était pas des bonnes surprises, hein, loin de là. Je vais donc vous présenter 6 romans dont un abandon et il n'y en a aucun qui sort vraiment du lot. Hein. Si vous trouvez que je brille, c'est normal, il doit faire 40 000 degrés dehors, j'ai éteint le ventilo pour pas avoir de bruit parasite pendant la vidéo et j'ai fermé la fenêtre pour pas que vous entendiez mes voisins. Vu qu'aucun de ces romans n'a été vraiment une très bonne lecture, je pense que je vais aller assez rapidement aujourd'hui. Le premier roman que je vais vous présenter, il s'agit du Baiser du démon de Lily Synchro, publié aux éditions Orbit. Ici, on va suivre Dani Valentine, qui est une nécromante. C'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de ramener les morts à la vie, afin de les interroger, par exemple, pour savoir qui les a tués ou à qui ils lèguent leurs biens. Elle sait également se battre à l'épée, avoir des prémonitions, tirer les cartes, bref, une panoplie bien utile pour une enquêtrice. Alors qu'elle était tranquillement en train de se tirer les cartes sans embêter personne, un démon débarque sur le pas de sa porte et décide de l'emmener en enfer, car Lucifer l'a convoqué. Vu la délicatesse dont il fait preuve quand il lui transmet l'invitation, comment refuser? Dani n'a pas vraiment le choix et le suit donc jusqu'en enfer. La mission que lui confie Lucifer, c'est de retrouver un objet magique qui lui appartient et qui lui a été dérobé par un démon, et au passage de tuer le malotru. Dani ayant déjà eu à affronter ce démon par le passé et ayant une dent contre lui, elle décide d'accepter et c'est là que ses ennuis commencent. Au programme, baston, magie, enquête, trague jusque dans un autre pays, face à face avec un ex, alliance et mésalliance, une bonne ambiance. En prime, elle a des cauchemars qu'il a en depuis son adolescence, évidemment, notamment certains concernant le démon en question. Sur le papier, ça avait tout pour me plaire, et pourtant ça ne l'a pas du tout fait avec moi. Je me suis ennuyée pendant 300 pages, et je l'ai terminé péniblement. Il manque quelque chose, il manque la petite étincelle, le fait que les personnages soient pas du tout attachants n'a pas aidé, c'est mensonge sur mensonge et trahison sur trahison, et bon, au final, on commence un peu à tout voir venir, quoi. Clairement, je n'irai pas la suite, et je vais vite m'en débarrasser. Le deuxième roman que je vais vous présenter, il s'agit de Vieux démons de Simon Hergreen, publié aux éditions Bragelonne. Ici, on va suivre Taylor Johnson, qui est né dans le Nightside, une zone de quelques kilomètres carrés qui est au cœur de Londres. Il y a vécu toute sa vie avant de fuir la zone 5 ans auparavant. Le Nightside n'a rien d'accueillant. C'est un lieu où il est toujours 3h du matin et où on peut croiser des monstres en tout genre, des créatures mythologiques, des gens du passé, voire du futur, et des extraterrestres, pourquoi pas. C'est clairement une zone de non-droit, la loi et la justice sont inexistantes. Et y survivre longtemps relève du talent. Tout allait bien pour John qui menait une vie de détective privé à Londres depuis 5 ans, tout ce qui est de plus ordinaire, jusqu'au jour où une femme a débarqué dans son bureau tard le soir pour lui demander de retrouver sa fille qui aurait apparemment disparu dans le Nightside. Résultat, il doit de nouveau pénétrer dans cet endroit maudit où tout le monde le connaît et beaucoup veulent sa peau. Clairement, l'accueil ne sera pas des plus chaleureux. Ses rares amis ont soit un caractère de cochon, soit butent des gens sans raison et sont prêts à tout pour avoir une belle opportunité de meurtre. Et la pauvre mère de famille va en voir des vertes et des pas mûres et va être très très inquiète pour l'avenir de sa fille. John aurait carrément mieux fait de refuser, mais hélas, il avait des factures à payer et les clients se faisaient rares. J'ai adoré toute la mythologie du Nightside, j'aurais adoré m'y balader afin de parcourir les lieux et de rencontrer les gens du passé ou ces créatures étranges, mais clairement, vaut mieux y aller avec un garde du corps, sinon c'est des coups à finir zigouillés. Hein. Même se balader dans une rue déserte peut s'avérer dangereux car on peut tomber dans une faille spatio-temporelle et se retrouver par exemple des centaines d'années dans le futur. Et après, c'est dur de retrouver le chemin. Hein. Point négatif, c'est un tome qui est très introductif, qui fait 250 pages, écrit assez gros, et du coup, on n'a pas spécialement beaucoup d'informations, ni spécialement d'empathie pour les personnages. Personnellement, le passé de John, je m'en fiche un peu, ses pouvoirs et sa famille également. J'ai beaucoup aimé l'univers, mais comme pour le Baiser du démon, comme je n'ai pas d'empathie pour le personnage principal, je vais vite me débarrasser de ce roman. Le troisième roman que je vais vous présenter, et qui est le seul que j'ai apprécié dans cette vidéo, il s'agit de Marqué, le premier tome de La Maison de la Nuit, écrit par PC Cast et Christian Cast, publié aux éditions PKJ. Zoé était une ado tout ce qu'elle plus normale, elle devait réviser son contrôle de géométrie et tenter de rompre avec son petit ami lourdingue. Jusqu'au moment où un tracas vampire se pointe à son lycée et l'informe très gentiment qu'elle est destinée à devenir une vampire. Résultat, elle se retrouve avec une marque en forme de croissant de lune sur le front, difficile à dissimuler et encore plus à ignorer. Sa vie change donc du tout au tout car elle est censée intégrer la maison de la nuit, c'est-à-dire l'école des vampires, dans laquelle en parallèle des cours de littérature ou d'espagnol, vous allez avoir des cours de sociologie du vampire, de mythologie du vampire et d'escrime par exemple. Zoé va se voir confrontée à des élèves pestes, une soif de sang qui va se développer très rapidement pour une novice et une montée de pouvoir extraordinaire, mais aussi à la mort, car dans cet univers, les novices qui sont censés devenir vampires peuvent mourir en fait. La transformation en vampire peut être rejetée par l'organisme. Et ça va se voir à plusieurs reprises car des élèves vont mourir dans ce premier tome. J'ai beaucoup aimé la mythologie du vampire autour de la déesse grecque Nyx, la déesse de la nuit. J'ai bien apprécié Zoé également ainsi que ses nouveaux amis, et les petites rivalités avec les pestes du lycée sont un peu transposables dans n'importe quel lycée américain. À quelques détails près, bien évidemment. Sa bande de potes est vraiment attachante, elle peut vraiment compter sur eux, contrairement à ses amis humains du lycée ou à ses parents qui l'ont carrément rejeté. Les cours sur les vampires m'ont également beaucoup plu. Après, l'écriture est pas folle non plus, c'est clairement un bouquin qui surfe sur la vague Twilight, il a dû sortir à peu près à la même époque je pense, que ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle. Deux défauts aussi qui m'ont dérangé, c'est que l'héroïne semble un peu avoir tous les pouvoirs. On va être clairement sur une héroïne surpuissante, et ça me saoule un petit peu comme trope en général. Et le deuxième point qui m'a un peu ennuyé, c'est qu'on n'en sait pas trop sur la vie des vampires en dehors de l'école. On est un peu dans une bulle dans ce lycée, et on ne sait pas comment ils sont organisés en dehors.
Par contre, on sait clairement qu'il y a des humains qui sont organisés en espèces de sectes religieuses qui les détestent. Après, c'est un premier tome, j'imagine que ce sera développé au fur et à mesure que Zoé découvre le monde des vampires. Je pense que je continuerai cette saga, mais je pense surtout que je vais l'emprunter à la bibliothèque parce que c'est pas non plus extraordinaire au point d'acheter la suite. Le quatrième roman que je vais vous présenter, il s'agit de Démons intérieurs de Jenna Black, publié aux éditions Milady. Morgan Kingsley est exorciste. Dans cet univers, nous avons deux catégories de démons. Les démons légaux possèdent des hôtes volontaires, généralement des gens qui ont été élevés dans le but de faire ce sacrifice, afin de devenir un héros de tous les jours, c'est-à-dire pompier ou policier par exemple, sans risquer leur peau. Les démons illégaux, comme vous vous en doutez, possèdent des hôtes non consentants. Et quand ils sont découverts, on fait appel à une exorciste pour les éliminer. Morgan est plutôt douée dans ce domaine, et elle a donc une belle carrière devant elle. Il y a donc dans cet univers une espèce d'alliance entre les humains et les démons, et à ma connaissance, pas d'autres créatures surnaturelles. Et il faut savoir que si jamais un démon n'est pas exorcisable parce qu'il serait trop puissant par exemple, lui et son hôte humain finissent brûlés vifs. La chasse aux sorcières ou aux démons dans ce cas précis a encore de belles années devant elle. Manque de peau pour Morgan, qui arrive généralement à exorciser n'importe quel démon, elle va se rendre compte qu'elle est elle-même possédée. Et clairement, elle n'était pas volontaire puisqu'elle déteste les démons. Résultat, Morgan va se retrouver au beau milieu d'un complot démoniaque, alors qu'elle n'a rien demandé à personne, et elle n'a pas du tout joué les héroïnes, ça n'a jamais été sa vocation. Tout ceci la dépasse, et elle manque de mourir un bon paquet de fois. J'ai bien aimé l'intrigue et ce qu'on découvre sur les démons et leur politique dans ce premier tome, et nul doute que ce sera bien développé dans les suivants. Malheureusement, les personnages m'ont saoulé. Morgan s'énerve, elle passe son temps à penser uniquement à sauter sur son petit ami, qui a le charisme d'une huître morte, et j'en pouvais plus. Et clairement, elle a autre chose à penser en fait, hein. Y a un peu tout le monde qui veut sa peau parce qu'elle est possédée par un démon surpuissant. C'était surtout un prétexte pour l'autrice pour mettre pas mal de scènes de sexe dans son roman, et le personnage de Brian, le petit ami, est inutile au possible et inintéressant. Je dirais bien qu'il a servi de bouche-trou, mais ça peut être tendancieux. Morgan va avoir un seul allié dans cette histoire, Adam, un policier qui est chargé de la traque des démons et qui est lui-même possédé par un démon. J'ai détesté le personnage d'Adam. Il est intransigeant, il est pénible, il pense qu'il sait tout mieux que tout le monde, et en plus, c'est un vrai sadique. Les scènes étaient particulièrement déplaisantes à lire. En plus, il est très clairement mauvais psychologue parce qu'il ne fait que la braquer en permanence. Et son côté sadique n'avait aucun intérêt pour l'histoire. J'ai en revanche bien aimé le démon qui possède Morgan et la relation entre eux. Mais clairement, c'est loin de me suffire pour me pousser à lire la suite. L'avantage de lire que des premiers tomes et de s'en débarrasser, c'est qu'au moins, je n'achèterai jamais la suite, et c'est un peu comme si je faisais des économies, hein, on va dire ça. Le cinquième roman que je vais vous présenter, il s'agit de Chasseur Noir de Michel Honaker, publié aux éditions Flammarion. Tout va commencer quand un journaliste assiste à un marché entre un humain et un envoûteur qui va se faire embaucher pour tuer le maire de New York. Ceci est rapidement suivi par une course-poursuite, puis l'arrivée d'un expert en démonologie à l'université de Columbia. Le malheureux a quitté la solitude de son désert égyptien pour l'agitation de la ville de New York, car dans cette ville, il y a beaucoup de magie illégale qui se passe sans supervision. Et les conséquences peuvent être parfois désastreuses. Il décide donc de jouer le rôle des protecteurs de la ville et de mettre ses grands pouvoirs au service du bien. C'est, j'imagine, un peu plus compliqué que ça, mais ce roman ne fait que 250 pages, on a donc juste les bases dans ce premier tome. J'ai bien aimé l'enquête sur la mort du maire, ainsi que le commanditaire, et je n'avais pas vu venir la résolution de l'intrigue. Mais 250 pages, c'est bien trop peu à mes yeux pour un premier tome, on a quelques flashbacks pour nous faire apprendre le passé des personnages, mais on n'a pas du tout le temps de s'attacher aux personnages. Le problème, c'est qu'on est beaucoup trop laissé sur notre faim à mon goût. D'accord, c'est juste un premier tome, et il ne fait que 250 pages, mais il ne fait que poser des bases en fait. Le peu qu'on voit de la mythologie m'intéresse beaucoup, mais je n'ai pas du tout réussi à m'attacher au personnage principal. C'est pas avec quelques flashbacks que vous allez me faire l'aimer en fait. Hein. Et si les prochains tomes font à peu près la même taille, je crains que toutes les informations sur la mythologie et les pouvoirs en général dans cet univers ne soient disséminées au compte-gouttes, ce qui va un peu me saouler. C'était chouette, mais sans plus, et mon manque d'intérêt pour le personnage principal fait que j'abandonne cette saga également, sans aucun scrupule. Vous l'aurez compris, quand je m'attache pas au personnage, j'ai du mal à lire un roman. Hein. L'univers peut être fabuleux, généralement j'irai pas plus loin que le premier tome. Le dernier livre que je vais vous présenter et qui est mon abandon, il s'agit de Damné de Lauren Kate, publié aux éditions Bayard Jeunesse. Je l'ai abandonné il y a 4 jours après avoir lu 150 pages et je me rappelle déjà plus de quoi il parle. On va suivre Luce qui intègre un lycée pour jeunes délinquants. Ils ont tous commis des délits, voire des crimes, et ils sont dans un espèce de bahut super surveillé. Au départ, on nous dit qu'elle passait la soirée avec le grand amour de sa vie et qu'il y a eu un incendie étrange pendant lequel il est mort. Elle, elle ne se souvient de rien, tout le monde trouve ça suspect et on a donc décidé de la condamner et de l'envoyer dans ce lycée. Sauf que 100 pages plus loin, on apprend que le fameux grand amour de sa vie, en fait c'était la première fois qu'elle passait du temps avec, hein. Elle avait dû flasher dessus, mais ils ont passé une heure ensemble et le malheureux, il en est mort. Elle arrive dans ce lycée et elle flash sur un mec qui en a rien à faire d'elle, clairement. Un autre lui court après, et c'est du ping-pong entre les trois en fait. C'est un triangle amoureux pourri, il s'est rien passé pendant 150 pages, les personnages sont stupides, elle m'a saoulée pendant tout ce temps, j'en pouvais plus. Il s'est rien passé pendant 150 pages, elle a fait deux soirées et basta. C'est que de « je l'aime, il m'aime pas », lui il s'intéresse à moi mais bon je m'intéresse pas trop à lui, on s'en bat l'œuf. En plus, dans l'espèce de prologue, on a tellement d'indices qu'on se doute comment le bouquin va finir, donc vraiment zéro intérêt, je vais pas me taper 400 pages pour ça. C'est très rare que j'abandonne un bouquin, mais je pense qu'après les 5 là, j'ai fait un rejet absolu. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à la tourner, clairement c'était plus sympa de tourner la vidéo que de lire ces bouquins. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.
Je suis très curieuse de voir si vous avez eu aussi des très bonnes lectures ou au contraire de grosses déceptions récemment. L'avantage, c'est qu'au moins ça me permet de faire du ménage dans ma bibliothèque, ça tombe bien, il manquait de la place. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.